Et salut les amis, salut les potos, bienvenue sur la chaîne de Casual Gamer. Ici on est en route pour une nouvelle série, vu qu'on fait une petite pause de l'arc jusqu'au mois de mars, jusqu'à la nouvelle map. On va lancer peut-être plusieurs nouvelles playlists sur plusieurs jeux de peut-être styles différents, même si on a un petit cœur sur tout ce qui est simulation, gestion, hack and slash et jeux de survie. Ici, on part sur Nekes, un jeu de survie sorti vers le mois d'août, si je dis pas de bêtises, qui a un bel avenir devant lui et qui est déjà bien étoffé. C'est parti pour une petite vidéo de test. Alors qu'on a lancé l'autre jour, on va tester un peu le jeu, on a déjà fait une petite maison à côté, on a déjà commencé un petit peu l'élevage, ça c'est les lits pour les joueurs IRL, on peut toujours agrandir et ici on a déjà quelques lits de secours. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire, on avait tac. Tac, ça c'est bon. Lui, il n'a plus rien. Ok, on va les farmer un peu. Peut-être prendre une potion de vie. Précision. Régénération de santé. On sait jamais. Oh, comme ça. Il me faut des petits rondins et des poupousses. Voilà. Alors, on est en route. Je vais aller dedans. My God. Ah, je suis mort, encore une fois. Encore une fois. Mais pas grave, c'est dangereux d'aller en bas. C'est dangereux. Bon, c'était dangereux, mais ça valait largement le coup. J'étais dans un immense caveau de... Attends, il y a sûrement moyen de les récupérer en vrai. Ah non. En fait, je suis arrivé dans un espèce de cimetière horrible. Ouais. Ça rapporte la blinde. Et si tu casses les tombes, t'as la blinde de trucs aussi. Si tu casses les tombeaux, t'as rien. Hein. T'as juste un peu de pierre. Il faut récolter d'abord ce qu'il y a dedans. Mais si tu casses les tombes, t'as la blinde de munitions, de thunes. J'aime bien. Quoi? Ah oui, rampant, ouais, ouais. C'est une sale bête ce truc en vrai.
Une piscine de lave. Tu vas dedans, tu meurs. Ouais, c'est assez logique. Alors, on récolte bien tout, on laisse rien pour les autres. Qu'est-ce donc? Des bombes en fer, ça, ça a l'air bien. Parchemin de retour, c'est top. Lingot de fer, 8, c'est top. Potion de bataille, augmente les dégâts infligés. Et charme de Zephyr, emplacement pour les gadgets, augmente l'endurance de 50%. Oh, ça c'est cool. Hop là, voilà. Tu disais quoi, mon ange? Dans la fausse vie, j'allais dire. Alors, dans la bouffe. Est-ce que j'ai des trucs à mettre? Je ne pense pas. Ça, oui. Choup-choup. Ok. Ici, alors. Oui, 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 oui. Oui. C'est quoi ça? Un chapeau de fête, hein, c'est drôle, ça. Vous avez trouvé un chapeau de fête. Plastron sanglant. Plus 0,3 de régénération de vie et 8 d'armure. Oh. J'ai déjà un col, moi. Bah, je l'ai mis dans le truc d'équipement. Potion. Tac, tac. Ouais. Et voilà la petite vidéo de présentation, vous avez bien vu, hein, on a été combattre, on a été récolter, on a farmé, on a un peu géré, on a vu la construction que j'ai déjà fait, soit pour une présentation, je trouve ça encore pas trop mal, le jeu me donne vraiment envie de m'investir, on verra ça ensemble à mon avis, sûrement en live, j'ai déjà fait un petit live Twitch d'ailleurs, on n'a pas été très nombreux, mais bon, il faut déjà que le jeu se fasse connaître. Soit, j'attends votre avis, le petit pouce bleu, les commentaires, ça fait toujours plaisir, c'était Casu, à la prochaine.